Eh bien salut à toutes et à tous, ici Produit V, j'espère que vous avez moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour on se retrouve après une longue absence de vidéo. Mais je suis de retour, ne vous inquiétez pas, c'était juste parce que c'était les vacances. Voilà, on a le droit de profiter un peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit quiz sur mon jeu Zelda préféré qui est Zelda Majora's Mask. Voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître. Je l'ai fait pendant les vacances, je l'ai essayé vite fait une fois. Je comprenais pas bien la mécanique au début. J'ai commencé à m'habituer au jeu, j'ai fini le jeu presque à 100%, il me manque 2 cœurs. Très précisément, 4, 5, 6, 7, 7 quarts de cœur. Voilà. Et après j'ai tous les masques, j'ai le masque de d'Omni-Link, pas de problème sur ça. J'ai battu, enfin d'Omni-Link, non, le masque du dieu démon, parce que je suis sur 3DS. Enfin, oui, sur 3DS. Alors du coup, on se retrouve pour un quiz sur mon jeu Zelda préféré. Alors... C'est sur QuizBiz, voilà, pour ceux qui se demandent, ça écrit là. Alors, dans le premier boss, le point faible de Odolwa est ses mains, l'œil derrière sa tête, ses talons. C'est l'œil derrière sa tête. Dans le deuxième temple, Rock est une chimère. Kyorg est un léviathan, mais de sa bouche sortent des petits poissons, lesquels? C'était des piranhas. C'est des piranhas squelettiques. Le temple de la forteresse de pierre a une particularité, laquelle? Il se retourne, il flotte dans les airs, il est à 3000 mètres sous terre. Est-ce qu'on peut piocher 2 cartes? Non. Ok, bon, il se retourne. Ça, on le sait. Mais il flotte, enfin non, il flotte pas dans les airs. Enfin, on peut dire qu'il flotte dans les airs, vite fait. Pour battre Scorn, le dernier boss, il faut un masque, lequel? Le masque du géant. Et il faut pas, d'ailleurs, il te le donne, c'est eux qui te le donnent. Et tu peux utiliser que dans cette salle. Tous ces boss ont un point commun à part leur point faible, lequel? Ils sont énormes, leur nom comporte le mot masque, ils sont tous frères. Mais ils sont pas tous énormes, si tu peux te connerie. Attendez. Odolwa, il est... Avec Onilink, on est à sa moitié, donc il est assez grand. Le deuxième, il est pas si grand que ça. Bah, comme pour tout ce mot masque, c'est vrai, mais bon. On va dire que, bon, je sais pas. Bon, on va rester sur ma première hypothèse. D'ailleurs, celle-là. Sur la lune, comment s'appelle Scorn? Le nébuleux, le dangereux, le néfaste. Le nébuleux. J'ai dit, on a entendu ça quelque chose, quelque part. Dans l'antre de Majora, qui le réveille? Les restes des boss, Link, une lune qui percute Termina. Non, c'est les restes des boss. Quelle est la deuxième forme de Majora? Ah, voilà, on arrive à... C'est la réincarnation. L'incarnation, pas la réincarnation. Vas-y. À la fin, Kafei et Anju se marient. D'ailleurs, c'est la quête la plus longue. C'est-à-dire, si vous connaissez pas le jeu, on a 3 jours pour sauver l'univers. Enfin, le monde, quoi. Et oui, j'ai changé de caméra. Enfin, j'ai changé de caméra, j'ai mis un carré, mais bon, ça, on s'en fout. T'as 3 jours pour sauver la Terre, 72 heures. La quête, il te reste 1h30 quand la quête se termine. Voilà, donc sur 72 heures, il te reste 1h30 à vivre, voilà. Et c'est la quête la plus longue. À la fin, Kafei et Anju se marient. Kafei est redevenu adulte. Bon, je sais pas. Hein. Mais non, je vais dire non. Pourquoi que je sais pas. Alors, combien on a eu? 7 sur 10. La honte, c'est mon jeu préféré, bordel de merde, merde. Bordel de merde, merde, ouais. Ouais, bon ça j'avais raison. C'est des espadons. Ah ouais, j'étais pas au courant. Ouais, il se retourne, le masque du tiers, j'avais raison. Attends. J'avais pas mis ils sont énormes, on est d'accord. J'avais mis leur nom qu'on porte le mot masque. On verra. Ouais, c'était le néfaste. Bon, ça, je m'y attendais un peu que j'allais avoir faux. Et après, ben, j'ai eu juste. À part, mais là. Regardez, là, je suis un peu dégoûté quand même. Hein. J'avais mis leur nom qu'on porte le mot masque. Bon, je vous retrouve pour un deuxième quiz. Peut-être pas sur Majora. Bon, attendez, ça, je vais le mettre là. Ah, quoi que non. Je vous retrouve pour un deuxième quiz, du coup. A tout de suite. Et ben, on se retrouve pour, du coup, mon jeu Zelda deuxième préféré du nom.
Zelda Ocarina of Time, première partie, nickel, allez. On commence l'aventure du jeu. Dans la forêt des Kokiri. Enfin, c'est dans la forêt Kokiri, mais bon. Mais oh, tu m'embrouilles pas, toi, déjà. Quel est le nom du héros? Bah, Link. Quel est le nom de la fée? Enfin, comment s'appelle la fée qui accompagne Link devant toute l'aventure? C'est Navi. Navi. Navi, n'importe quoi. Enfin, on peut dire que c'est un Navi, mais bon. Voilà, elle fait chier, quoi. Qui doit-il aller sauver? Aller voir quand la petite fée vient le chercher. L'arbre moujou. Mais quelqu'un lui bloque la route. Il faut... Que faut-il aller chercher? Une épée Kokiri, un bouclier. Quel est le nom du premier donjon? Le donjon de l'arbre moujou. Mais c'est pas son vrai nom. Quel objet obtient-on dans ce donjon? On obtient le lance-pierre. Ah ouais. Bon, oui, le lance-pierre. Qui est le boss de donjon? C'est Goma. C'est un espèce d'insecte bizarre. Qu'apprend le héros sur son passé une fois le donjon terminé? Qu'il vivait à Hyrule. C'est vrai en plus. Que lui donne le personnage qu'il devait rencontrer? Ocarina. Non, une pierre ancestrale, pardon. Ocarina. Des hiboux, des bijoux, d'accord. Et donc, il est riche maintenant. Quelle est la quête... En quelle quête demande-t-il au héros de mener? De trouver toutes les pierres ancestrales. Et d'ouvrir tous les coffres du monde. Non, je rigole. Ouais. Enfin, ça, on le fait déjà. Enfin, ça, si on veut le faire, on le fait. Ok, dans Majora's Mask, c'est autre chose. Parce que quand tu remontes dans le temps, les coffres se régénèrent. À part les cartes de cœur, bien sûr. Mais sinon, ce sera trop facile. D'ailleurs, je suis bloqué, moi, avec les cartes de cœur. Je les ai presque tous, mais je les pesais pas tous. Enfin, bon, bref. Pourquoi va-t-il mourir? Parce qu'il a été empoisonné. Donc, à cause du mal de Ganondorf. Enfin, à cause du mal, quoi. Enfin, du roi du mal. Hein. Enfin, de... Voilà. Il est prêt à partir à Hyrule lorsqu'il rencontre une de ses amies d'enfance. Quel objet lui donne-t-elle? Elle lui donne Ocarina. Qui rencontre-t-on à Hyrule? La princesse Zelda. Malon et Talon, c'est pas là du tout, c'est Ouranchulon. Qui est-ce? C'est Impa. C'est la nourrice de la princesse. Non, pas du tout. Après être allé à Hyrule, où le héros doit-il se rendre? Chez Zora pour jouer au jeu du grand plongeon. Dans la forêt des Kirikiri pour aller chercher, pour aller dans le bois perdu, puis dans la mine des Gorons pour avoir le rubis des Gorons. Ouais, sauf que si t'as pas les bombes, t'es un peu baisé, quoi. Parce que t'as un gros caillou juste qui te bloque la rentrée, mais bon, allez, on va venir. Parce que dans le temple de l'ombre, c'est pas du tout là. On peut se mentir, il faut d'abord avoir les trois pierres, puis après grandir, et puis bref. Mais bon, allez, on va venir. Qui est ce boss? Dodango. Après avoir vaincu, où doit-il se rendre? Après aller voir le chef des Gorons pour lui jouer son morceau préféré. Non, ça c'est avant. Aller au fond de pierre et chez Zora pour aller chercher la pierre ancestrale. Alors, elle, c'est... Il en... Mais je sais que c'est Ruto, donc j'ai même pas besoin de lire la question. Il rencontre un gros poisson nommé Jabu Jabu dans lequel se trouve une jeune fille. Comment cet homme d'elle s'appelle Ruto? Ce boss, c'est Marinade. C'est bizarre, comme nom, mais bon. Marie... Ah, voilà. Blague nulle. Enfin, c'était même pas une blague, d'ailleurs. Le héros peut retourner à Hyrule après cette aventure. Pourquoi s'y rend-il? Car il a fini sa quête battant la boss finale au Temple du Temps. Pour déposer les trois pierres ancestrales au temple du temps, pour aller voir la princesse qui se trouve au temple et lui avouer ses sentiments. Pas du tout. On aimerait que ça se passe tous comme ça, mais ça se passe pas du tout comme ça. Quand la princesse s'enfuit en cheval, poursuivi par quelqu'un, quel objet fait-elle tomber dans l'eau? L'ocarina du temps! L'ocarina bleue. Voilà, pour les bofs qui savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que ce héros obtient au temple du temps? La Master Sword Excalibur. Je sais pas s'il y a deux comptes, je sais pas. Mais nous on dit soit Master. Moi je dis tout le temps Excalibur. Je sais pas pourquoi, c'est. Depuis toi les princesses, je dis tout le temps Excalibur. Mais tout le monde appelle ça la Master Sword, donc je coche les deux, c'est jeune. Que se passe-t-il lorsqu'il la retire du socle? Il meurt, rien. Il grandit et voit une sage qui lui dit de retrouver tous les autres sages, puis de réunir. Et puis de réunir tous les médaillons. Et je sais qui c'est ce sage. Quel jument le héros peut-il acquérir au ranch long long? Ah oui, d'ailleurs, ouais, non, j'ai pas trop le temps en fait. Comment peut-on l'obtenir en gagnant une course contre Ingo? En la volant, voilà, c'est là que je voulais en venir.
Parce que des gens disent qu'il faut la battre à la course ou je ne sais quoi, alors que c'est pas du tout ça, il faut la voler en cachette. Et ils confondent avec Majora's Mask. Ouais. Bon, j'avais raison. Où j'ai eu faux. Mais j'avais mis la princesse Zelda. J'avais dit Impa. J'avais mis que Impa. On est d'accord. J'ai eu 20. Bah, je suis désolé, j'ai eu 20. J'ai eu 20. 26. Non. J'ai eu 25. Non, 25, 26, c'est ça. Non, j'ai eu 26. Non, 23. 24, 25. Après, où est-ce que j'ai eu faux? Peut-être tout à la fin. Parce que lui aussi, il sait pas ce que c'est. De quoi? Mais on est d'accord qu'on doit la voler dans Ocarina of Time, Epona. On doit la voler. Ah non, mais si. Oui, d'accord, je suis d'accord, on fait la course avec lui. Mais après, il dit non, finalement, non, tu la prends pas, et puis après, on la vole. Fuck. Les gens. Donc, du coup, moi, j'avais mis un commentaire. C'était. Avant de dire des conneries, il faut jouer au jeu ou le connaître. Moi j'ai joué, je le connais super bien. J'ai jamais fait de 100% dessus, j'ai jamais fait toutes les quêtes pas comme dans Majora's Mask. Mais voilà. Moi je l'ai fait au moins, Ocarina of Time. Je l'ai pas fini en entier, enfin si je l'ai fini en entier. Mais voilà. Oh bah t'as l'éclairage là. Oh soleil. Bah y'a pas trop de soleil. Peut-être qu'il y a des nuages. Bon, eh ben écoutez, je suis raconté des conneries là. Je suis désolé, on la guette pas. Mais t'es, vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire là, suite? Je vais commencer une autre partie là sur Zelda Ocarina. Je vais aller chercher ma 2DS. Hein. Je vais recommencer notre partie. Et on va voir s'il faut la voler. Non. Non, en fait, non, ça va être trop long. Laisse tomber. Ah, quoique. Faire 3 donjons. Aller au ranch en long. Ou alors direct. Ouais, non. Ça risque d'être un peu long. J'ai pas le courage. Là, je vais aller manger parce que j'ai un peu faim. Comme vous voyez, il est tard. Enfin, il est tard. Il est midi. Je sais pas. Je vais peut-être. Alors là, cette fois, je vous dis tout de suite parce que ma caméra lag un peu, je trouve. Un peu, beaucoup. Passionnément, la folie. Ouais, voilà. Je vais peut-être mettre une musique d'ambiance de Zelda. Parce que je suis gentil. Je vais peut-être mettre un petit remix de musique que j'aime bien. Par exemple, comment ça s'appelle J'ai oublié son nom, putain, ça m'énerve. Le bois perdu. Voilà, j'adore cette musique, c'est ma préférée. Presque. Après, bien sûr, elle est après les musiques de mini-boss de Wind Waker. Cette musique, elle est épique. Bon, du coup, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera bientôt et à la prochaine. Eh oui, j'ai déménagé. Non, je rigole, je suis mon père. Allez, salut!